Et recoucou, c'est de nouveau moi, avec cette fois-ci la présentation du dernier projet de tout mon ensemble, Naissance Welcome Baby. C'est le projet qui est le plus petit, mais c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, parce que au niveau de la couverture et des dimensions de la couverture, j'ai fait exactement les dimensions de l'album, comment est-ce qu'elle appelle ça, Aude? Je ne sais plus. Enveloppe, album enveloppe, je pense qu'elle appelle ça. Donc j'ai fait la même chose qu'elle, mais moi j'ai voulu mettre un gros aimant comme ça, vous voyez. Un aimant, c'est un aimant en fait qui est attaché avec, ça a des tiges à l'arrière comme comme pour une attache parisienne. Ce qui fait que j'ai dû réfléchir parce que ça mettait une grosse épaisseur ici. Et je voulais pas qu'il y ait, je voulais pas en fait que le truc soit comme ça, vous voyez. Donc ça m'a pris un peu de temps pour trouver la solution. Après j'ai dû trouver une solution pour pouvoir cacher les pieds parce que ben forcément je suis passée à travers le carton et donc les tiges qui servent à fermer l'aimant, donc comme pour une attache parisienne, ressortaient ici de ce côté-ci. Et moi je voulais pas mettre de papier décor sur cette couverture d'album, je voulais la garder blanche, enfin blanc crème. Et donc j'ai trouvé dans mes petits trésors ce magnifique cadre un peu vintage, et j'ai simplement collé derrière une petite image de la collection. Et alors j'avais comme autre souci, étant donné que l'intérieur, vous voyez, c'est des anneaux comme pour les anneaux à classeur. Si on fait attention et qu'on réfléchit bien, ici derrière apparaissaient à nouveau les tiges, puisque ma fermeture de classeur, les tiges passent à travers toute la cartonnette. Donc rebelote, il fallait que je retrouve de nouveau un système pour tout cacher sans pour autant recouvrir de papier. Donc ce que j'ai fait, j'ai au-dessus de là où il y a les attaches parisiennes, j'ai remis une petite bande en fait de tapisserie juste là, et j'ai recouvert avec une superbe dentelle. Vous voyez, j'aime beaucoup, ça fait vraiment un bel effet et ça fait vraiment très nature, très très doux, très classe, et j'ai absolument pas envie de mettre autre chose, de charger différemment. Donc ça c'est pour la petite histoire de la couverture. Donc la couverture c'est du projet album enveloppe de Aude. J'ai utilisé les mêmes dimensions. J'ai reproduit le petit tiroir qui se trouve ici. Donc voilà, dans ce petit tiroir, j'ai mis un beau papier décor à l'intérieur et j'ai choisi d'y glisser les petites cartes que l'on trouve dans la collection. Mais l'avantage également, c'est qu'on peut y mettre des petits éléments. Donc moi, je pense que je vais lui couper des petits mots, des petits word art, et que je vais lui mettre quelques petits word art supplémentaires ici dans le petit tiroir qu'elle pourra agrémenter elle-même sur ces petites réalisations que je lui ai faites. Et donc, cet album-ci, c'est encore un album pour ma première année. Alors, ici, derrière la boîte tiroir, donc avant de dire derrière, donc quand vous ouvrez ici, c'est maintenu par un aimant, hop, vous avez de l'espace pour mettre deux photos. Ça, c'est exactement comme Aude a fait. Hein. J'ai rien inventé. Ce sont les fichiers de Aude. J'ai vraiment copié ce que Aude a fait. Et donc, ici, j'ai glissé à l'arrière les quatre fiches. Une semaine. Aujourd'hui, j'ai deux semaines. Aujourd'hui, j'ai trois semaines. Et aujourd'hui, j'ai quatre semaines. Et à l'arrière, il y a à chaque fois la place pour y glisser. Pour y coller une photo en 10-15. Donc ça, ça vient bien ici. Alors par contre, il faut les glisser une par une pour ne rien abîmer. Mais ça rentre sans problème. Hop, ça rentre nickel. Et donc ici, vous avez deux intercalaires. Le premier, c'est souvenir. Donc avec la jolie image, coucou me voilà. Et quand vous tournez, vous avez une pochette, donc c'est un fichier de Aude également. Et quand vous tirez la carte qui est dans la pochette, c'est la fiche Je m'appelle. Et donc elle pourra écrire ici le prénom de sa fille. Je lui laisse le plaisir de le faire elle-même. Je pourrais le faire moi parce que je sais le prénom, mais je préfère qu'elle le fasse elle-même, puisque c'est pour elle, pour la maman.
Et donc ici, je n'ai rien mis de plus parce que comme vous pouvez le constater, c'est déjà très épais et j'ai peur en fait qu'avec l'épaisseur des photos, si je rajoutais encore ici des fiches, que ce soit vraiment trop étroit. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Alors ici, vous avez l'intercalaire première année. Pourquoi? Parce que quand vous retournez, donc ici c'est simplement un beau papier design, tout comme ici, vous avez 12 pages qui retracent les 12 premiers mois de l'année de l'enfant. Donc toutes les pages sont faites de la même façon. Je vais vous en montrer une, je vais les sortir. Donc vous avez la page principale sur laquelle il y a une pochette dans laquelle on glisse la carte. Un mois. Derrière, vous avez l'espace pour y mettre la photo. Et quand vous retournez la petite carte, vous avez de nouveau une page pour y écrire les petites anecdotes, les choses que, par exemple, que le bébé a fait durant son premier mois de vie. Chaque page est faite sur le même concept. Et donc, vous avez un mois, deux mois, trois mois. Comme ça. C'est un peu le principe des cartes étapes qu'on offre dans une boîte et que la maman peut déposer à côté du bébé. Elle prend la, voilà, elle met le bébé sur le lit par exemple. Elle met la carte 2 mois à côté. Elle tire la photo et hop, elle colle la photo ici derrière. Ça lui fait un souvenir du jour où le bébé a eu 2 mois. Donc à chaque mois anniversaire, on met la carte à côté de l'enfant et on prend la photo. Et comme ça, ça retrace l'évolution sur 1 an. À la différence près que moi, cette fois-ci, j'ai voulu rajouter un endroit à chaque fois pour pouvoir y mettre des petites annotations, des moments clés et forts de l'évolution de l'enfant durant à chaque fois le mois qui s'est écoulé. Alors, il y a une page marron, une page verte, une page marron, une page verte. Et donc, derrière les pages marron, vous retrouvez ce papier scolaire-ci. Et derrière les pages vertes, vous retrouvez ce papier scolaire-là. Comme ça, ça met un peu de dynamisme dans l'album, mais sans trop le surcharger. Et donc, je n'ai rien voulu faire de plus. Ici, j'ai rien collé non plus comme papier parce que je trouve que c'est très très beau comme ça. Et j'avais pas envie de charger plus cette petite création. Mais je suis assez contente du résultat parce que j'ai quand même eu assez de mal à finaliser mon projet. Je ne savais pas comment finalement faire pour pouvoir garder, entre guillemets, la simplicité de la couverture. J'avais pas envie de faire comme pour les 3 premiers projets, mettre du papier déco sur la couverture de l'album. Il y avait un projet que je voulais garder neutre et c'était celui-là. Et je trouve que cette petite décoration ici ainsi que la dentelle se suffit et fait vraiment tout son charme. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé scraper cette superbe collection. Je ne m'en lasse pas. D'ailleurs, je pense que je l'utiliserai encore. Peut-être pas tout de suite, mais probablement que dans le futur, je l'utiliserai encore pour des créations. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao !